Ah, se garer en créneau. Facile ? Pas pour tout le monde. Ok, voyons comment on fait. Étape 1, on repère la place disponible et on active son clignotant. Étape 2, on se place au même niveau que la voiture garée devant. Un bon repère aide à aligner les rétroviseurs. Étape 3, on recule doucement jusqu'à ce que notre rétroviseur se trouve au milieu de la voiture déjà garée. Étape 4, on braque et on recule à fond pour que la voiture puisse entrer dans la place avec un angle d'environ 45 degrés. Étape 5, dès que la roue arrière est suffisamment proche du trottoir, on contre-braque au maximum. Et voilà, y a plus qu'à. Si tu veux obtenir ton code de la route dans 7 jours, va voir le lien dans la bio.